Voilà. Parce que ça me file des tocs de voir qu'il me reste plus que beaucoup de Pokéball. On va essayer de faire un combat, on va essayer de combattre ces gens. Bon, prévoir aussi de faire de temps en temps des sauvegardes normales et des save-têtes. On ne sait jamais pour les bugs, pour si au cas où il y a un bug. Bon, par exemple, vous voyez Magnéti, je l'ai pas. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Pokémon. Et comme je sais que mon Pokémon pourrait ne pas le foutre KO, ben, je vais appuyer sur L. C'est une manette IPEGA que j'utilise. Je vais appuyer sur L. Et ça va permettre tout simplement de faire que le Pokémon sera KO en un coup, en 2-2. Donc c'est pratique, ça aide. Donc Kadabra, il m'intéresse pas. Et si j'appuie sur L avant autre, ben, le Pokémon est tout simplement à 1 PV. Ce qui est pratique pour le capturer. Mais bon, après, moi, ça me sert à rien puisque de toute façon, je sais capturer les Pokémon déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai Giratina à aller chercher. Je vais aller chercher Giratina. Non, c'est pas ça que je veux. Donc oui, je suis sur émulateur, hein, si certains n'ont pas encore compris. Je suis bel et bien sur émulateur, hein. Logique. Sinon, bah, je jouerai pas sur ce truc. C'est pas fun de jouer tout seul sans rien. En bref, quand vous avez joué pendant des années au jeu légitimement, par finir, bah, vous y jouez. C'est quoi ça? Ta gueule, toi, le truc. Ok. Bon, alors, je voudrais. Ouais. Vous allez me dire, ça sert à rien d'avoir autant de Pokéball, puisque de toute façon, je suis assuré. Mais bon, pas grave. Voilà, je sauvegarde. Oui, je sais, j'ai cheat code de passe murale activé, mais je m'en fous du cheat code passe murale. Si je reset la console, je pense que ça va être désactif automatiquement, je pense. On va tester justement pour voir si ça va être désactif. C'est un test, tiens. C'est un test. Mais je pense que ça va être désactif puisque. Et puis c'est pas con, c'est par défaut c'est mieux. Donc par exemple là je fais ça. Là je fais ça. Donc là j'ai sauvegardé le truc. Ce que j'ai juste à faire c'est ça. Faire reset. Yes. Et normalement la console en faisant reset normalement. Donc jusque là tout est normal. Normalement ça va faire que. Ben, non seulement ça aura sauvegardé la partie sans aucun souci. Dégage, ça c'est chiant ce truc là. Mais en plus de ça, voilà, comme vous voyez, bah en fait il n'y a pas de souci. Bah le truc il a bien sauvegardé avec les murs réactivés, il n'y a pas de problème, il y a tout qui est réactivé. Donc pour réactiver le cheat code, sinon c'est pas marrant, bah tu remontes, tu redescends. Et voilà, c'est réactivé. En fait, j'appuie sur A et B et R en même temps, en maintenant et en passant d'un truc à d'une maison à l'autre. Et pour désactiver, je vais appuyer sur L et A et B. C'est juste la gâchette de l'autre côté qui change. Et du coup, ça désactive le truc en passant d'un autre chemin à l'autre. Vous voyez, c'est pas plus compliqué de médicaments, rien que ça. Hein. Ah oui, et surtout, avant tout. Toujours vérifier d'avoir activé le cheat code parce qu'en fait, si vous voulez, à force, tout ce que j'ai activé comme cheat, il y a des mauvais œufs qui vont apparaître dans le jeu et qui font ramer et carrément friser le jeu. Et ça rame à mort parce qu'il y a des mauvais œufs qui apparaissent en fait. Donc, du coup, je suis obligé de faire ça pour éviter de planter tout simplement. Mais c'est vraiment, vraiment hyper fun de jouer comme ça. Oui, c'est pas honnête. Je suis d'accord avec vous. C'est pas, c'est de la triche. Mais quand vous avez déjà fini plusieurs fois le jeu, sincèrement, c'est fun de pouvoir enfin. Voilà, le genre de Pokémon que je pourrais pas dire non. Parce que ce Pokémon-là, je l'aime trop. Donc, du coup, ben. On connaît la musique. Donc, on va lancer une hyperballe. Pardon. Et on va le capturer.
Et du coup, on aura un Octalie gratuit en plus de ça. C'est ça qui est bien. Putain, c'est mauvais truc. Voilà. Voilà, ça fait moins d'un gros voleur d'animaux. Mais je m'en bats les steaks, je m'en fous. Je suis comme ça, je m'amuse comme ça. Enfin, c'est pas que je suis comme ça, hein. Dans la vraie vie, je volerai pas des animaux. Hein. Mais je veux dire, dans le jeu, je suis comme ça parce que je m'en fous. En fait, c'est un jeu, donc je m'en fous un peu. Voilà, là on arrive en fait, comme vous voyez, à la limite. Vous voyez, il y a toujours une limite. C'est intéressant parce que ça vous permet de voir en fait la limite de la taille de la carte. Donc en même temps, je vous fais visiter le jeu. Je trouve que c'est intéressant de vous montrer un peu à quoi ressemble. À quoi ressemble le jeu extérieurement. C'est toujours fascinant de pouvoir voir ça sur un autre œil. Et c'est vraiment fun, quoi. Oh, oh, m'intéresse pas, donc je vais le tuer. Par contre, si tu as un arcana, je le prends. Et oui, mon Shaymin, il est cheaté parce que je l'ai eu en trichant. En fait, ah, j'ai plus de PP. Putain, j'en ai marre de me tromper à chaque fois. C'est celui-là que j'ai utilisé. Celui-là. Excusez-moi, j'essaie de m'habituer parce qu'à chaque fois je me gourde de trucs. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai le joy-kit. J'ai deux joysticks et une croix normale en forme de croix, quoi. Celui de la droite, il permet de faire ça. Et celui de la gauche, il permet de faire ça. Et par exemple, la droite, si je retire et j'appuie sur la gauche, ça fait ça, vous voyez. Donc du coup, à chaque fois, je me trompe. Et j'appuie sur l'autre, du coup je fais n'importe quoi et ça m'énerve. Non, donc ce Pokémon là je le veux pas non plus. Mais j'ai pas dit que je voulais m'enfuir, connard. Hein. Meurs. Allez, va mourir. Voilà. Je sais pas trop si je vais ajouter des personnages, des chemilets. Vous savez, des persos. Allez. Les wouhou que j'avais mis à la dernière. Je pense pas parce que ça va prendre beaucoup de temps à ce moment-là. Je vais mettre juste ma truc compressé en fond. Donc le wouhou joli chouapeau Enterprise de truc compressé. Comme avatar. Parce qu'il est trop mignon et que du coup ça va faire une petite décoration. Comme ça vous avez une truc contente. Et voilà, c'est tout en fait. Parce que sinon ça va. Enfin, je verrai bien si j'ai envie de faire plus. Mais c'est vrai, de base, c'est pas fait pour ça. C'est juste pour avoir un petit décor ou quoi. Un truc compressé. En garniture. Parce que c'est mignon. Du coup, ça donne un côté choupi. Parce que vous avez une truc garniture sur la gauche. Et c'est trop mignon. Parce que ça me représente en truc compressé, quoi. Que je suis ou de moi. Ah oui, que je suis trouve de moi-même. Je l'avoue. Ceci veut rien dire. Donc on en profite, on pique tout, on rafle tout. Ah, la vidéo va être longue, elle va durer une heure peut-être. Hein. Mais je fais vraiment cette vidéo pour le fun, quoi. Bon, après peut-être que je vais couper des séquences et je vais faire, mais je veux dire l'enregistrement, je le fais en un coup, quoi. Et après, je ferai des coupures. Bon, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder le Pokémon qui m'intéresse. Donc là, elle a combien de Pokémon? Voilà, bon. Là, du coup, on peut dire... Ok, casse-toi. Et oui, je me suis encore trompé de truc. Allez, meurs.
Ah oui, j'ai un Filali shiny aussi. Non, tu y as des shiny. Tu sais quoi? Comme il me reste plus rien. Allez. Je te récupère, tu seras une réserve. Tu seras utile pour autre chose. Ce qui se passe là, je vous montre aussi, c'est que quand vous capturez un deuxième Pokémon qui n'est pas le premier, comme le jeu n'est pas censé être fait pour capturer des Pokémon, vous n'êtes pas censé capturer des Pokémon de dresseur, voilà ce qui se passe, c'est que ça enregistre en fait, ça dit le nom du premier Pokémon qui a été envoyé. C'est buggé en fait.